Si je vous montre ça, ça vous évoque quoi? C'est ça la magie du branding. Worketeur, worketeuse, bonjour. Bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles. Et aujourd'hui, on va parler de branding et pourquoi c'est extrêmement important pour votre business. Et quel meilleur moyen d'expliquer ce qu'est le branding par vous montrer ce que c'est le branding. Si je vous montre ça, ça vous évoque quoi? Le sport? Le dépassement de soi? La discipline? Et si je vous montre ça, ça vous évoque le bon goût du gras dans la bouche? Le côté familial? La faim une heure après avoir mangé un menu? Et si je vous montre ça? Évidemment, ça vous fait penser aux jeux vidéo. Mais ça va au-delà de ça. Toute l'expérience, les souvenirs, la technologie, c'est ça la magie du branding. C'est la puissance de l'émotion qu'une marque peut vous transmettre, peut partager avec vous, juste par voir le logo, voir la marque, quelquefois juste entendre un son. Le branding, c'est créer une connexion avec votre audience, une connexion qui est particulière, créer une différence par rapport à la concurrence, notamment parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où la concurrence est féroce dans tous les domaines. Et le branding, c'est créer des émotions, c'est créer quelque chose autour de votre marque qui parle à votre audience. Sauf que ces émotions, elles tombent pas du ciel. C'est pas des émotions qui sont complètement prises au hasard et qui sont choisies comme ça. Ces émotions, c'est les émotions que vous avez choisies de partager avec votre audience. Et comment vous faites ce choix? C'est avec la stratégie de branding que vous allez mettre en place. Et c'est là où il y a les deux piliers du branding qui viennent en jeu. Il y a l'identité de marque et il y a l'image de marque. L'identité de marque, c'est tout ce qui va vous définir. Donc ça va passer par le logo, ça va passer aussi par le slogan, et ça va passer par le site web, ça va passer par tous les aspects visuels en ligne comme sur papier, mais ça va aussi passer par votre contenu, par votre ton, par la façon dont vous allez raconter votre histoire et surtout les valeurs de la marque que vous allez partager au travers de ce contenu. Toute cette identité de marque que vous allez créer et qui va générer, qui va tourner autour de votre stratégie de marque, c'est ça qui va générer l'image de marque. Alors, qu'est-ce que c'est l'image de marque? C'est tout ce qui se passe inconsciemment quand quelqu'un voit votre logo, quand quelqu'un voit votre marque, quand quelqu'un est exposé à votre marque. C'est toute la magie qui opère juste par l'évocation de votre marque. Alors, à quoi ça sert de faire du branding? Parce qu'en soi, faire du branding, peut-être que dans votre tête, ça ne sera pas grand-chose. Il suffit juste d'avoir un nom pour une entreprise, d'avoir un logo, et ça y est, j'ai mon branding. C'est faux. Le branding, c'est bien plus que avoir un nom et avoir un logo. Le branding, ça permet de se démarquer par rapport aux autres, donc se démarquer par rapport à la concurrence. Et l'analogie de la personne qui veut être différente des autres et qui veut sortir du lot, c'est exactement ça en fait le branding. C'est marquer sa différence par rapport aux autres. Quand vous êtes une entreprise et que vous avez une marque, si vous êtes noyé dans le flot de toute la concurrence, pourquoi les gens iraient acheter chez vous? Pourquoi les gens iraient faire appel à vous pour des services? En revanche, si vous arrivez à sortir du lot avec un branding qui est différent et qui marque votre différence par rapport aux autres, là forcément on va s'intéresser à vous. On va se dire, peut-être que ça vaut le coup que je m'intéresse à cette marque parce que ça m'intrigue, parce qu'elle est différente des autres et que moi-même, en tant qu'individu, j'ai aussi envie d'être différent des autres. Et pourquoi avoir une stratégie de branding? Il y a différents aspects là-dedans, mais la première, c'est créer de la confiance auprès de vos clients ou auprès de vos consommateurs. Cette confiance, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui n'est pas facile à construire. Et donc cette confiance va passer au travers de la marque. Elle va passer au travers de la qualité de vos produits ou de la qualité de vos services. Elle va passer aussi par la qualité de votre service après-vente,
du support que vous allez mettre derrière. Elle va aussi passer par la qualité des détails que vous allez mettre dans vos communications, dans votre marketing. En créant cette confiance, vous allez aussi créer un sentiment d'appartenance. Parce que quand vous connaissez votre audience et que vous parlez la même langue, évidemment qu'il y a une connexion qui se crée et vous parlez la même langue, il y a un sentiment d'appartenance à la marque. J'aime cette marque parce que je partage les mêmes valeurs, parce qu'on parle de la même façon et parce que, ben, d'un certain côté, je suis d'accord avec elle. Je partage les mêmes valeurs. Ça porte aussi de la crédibilité auprès de nouveaux clients qui peut-être ne vous connaissent pas encore. Quand une marque commence à être connue pour sa qualité, pour son innovation, pour différentes choses, en tout cas quand une marque a une bonne image de marque, même si vous ne la connaissez pas inconsciemment, il y a quand même des valeurs, il y a quand même des choses qui se passent et qui se disent, bah voilà, je ne connais pas cette marque et pourtant, au fond de moi, je sais si je peux avoir confiance en cette marque ou pas, parce que peut-être que mon frère, mes parents, mon cousin ou mes amis font aussi confiance à cette marque. Et donc du coup, ça permet de fidéliser les clients. Un client heureux, c'est un client qui revient. C'est un client qui va racheter chez vous. C'est un client que vous avez à vie, ou quasiment à vie. En tout cas, le but de fidéliser le client, c'est extrêmement important, parce qu'un client qui achète une fois chez vous et qui se casse, c'est souvent un client qui vous coûte de l'argent. Entre le coût d'acquisition et le lifetime value, clairement, c'est pas un client qui est vraiment très intéressant. Donc, le but, c'est de fidéliser le client pour faire en sorte qu'il rachète plusieurs fois chez vous et qu'il soit même un client à vie, pour faire en sorte que ce soit un client qui soit rentable. Et puis, c'est surtout vendre mieux. Et c'est là le vrai pouvoir de la marque. C'est que, en comparaison de deux marques qui font exactement la même chose, si votre image de marque est bien meilleure, vous aurez la possibilité de vendre des produits ou des services plus chers que la concurrence à comparaison égale. Comment vous pensez que Apple arrive à vendre des iPhones plus chers que n'importe quel autre smartphone qui est sur le marché? Pourtant, souvent, la technologie est assez similaire. En tout cas, il y a des choses qui sont très très similaires. Et pourtant, on a quand même des prix qui sont quelquefois 20-30% plus chers que par rapport à la concurrence. Pourquoi? Parce que l'image d'Apple est une image extrêmement forte. C'est une image d'innovation, c'est une image de cool. C'est une image qui donne envie d'acheter chez eux. Et donc, ils se permettent de vendre leurs produits plus cher. Pourtant, il y a des gens qui vont acheter parce que c'est Apple. C'est ça le pouvoir de la marque. Alors, comment on crée un bon branding? Qu'est-ce qui fait qu'un branding est puissant et fait la différence par rapport à un branding qui est random, à un branding totalement commun chez la concurrence? Alors, la première chose, c'est évidemment l'identité visuelle. L'identité visuelle, elle est extrêmement importante dans votre stratégie de branding. L'identité visuelle, ça passe par le logo. Évidemment, et c'est ça qui va définir en grande partie votre marque, le logo, le slogan, on va dire, qui évoque des valeurs par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous voulez transmettre à votre audience. Mais ça passe aussi par les couleurs que vous allez utiliser, par les polices de caractère que vous allez utiliser, par le ton, par ces différentes choses et qui vont créer une sorte de persona autour de votre marque et que votre marque va être reconnaissable par rapport aux autres. Il y a évidemment la voix, le ton. Le ton de la marque, c'est extrêmement important. Est-ce que vous voulez être une marque qui rentre dedans? Une marque qui est un petit peu aguicheuse? Une marque qui joue peut-être sur le mystère? Est-ce que vous voulez plus être une marque qui se la pète? Une marque plus discrète, mais qui a des valeurs un petit peu plus familiales? Le ton et la voix de votre marque sont des choses qui sont super importantes parce qu'il faut qu'elles parlent aux gens qui sont dans votre cible. Il faut qu'elles parlent à vos consommateurs. Il faut qu'elles parlent à vos clients. Et c'est ce ton qui va se retrouver dans l'intégralité de votre stratégie de contenu. Donc ce ton-là, il est extrêmement important à définir dès le départ et à maintenir
sur la longueur. Évidemment, votre stratégie de branding, elle va aussi se ressentir dans vos produits et dans vos services. Si vous promettez des choses et que votre produit est pourri ou que vos services y sont vraiment nazes, la promesse, elle va être totalement faussée et forcément, vous allez perdre les gens en route. Si vous avez des produits, ça va aussi se ressentir dans le packaging, dans la façon dont vous allez faire de la publicité autour de vos services et de votre produit. Donc forcément, le produit ou le service qui va que vous vendez, ça fait partie de votre stratégie branding. Puis il y a aussi votre passif, votre histoire. Si votre entreprise a une histoire et que vous pensez que cette histoire est importante dans votre branding, c'est quelque chose qu'il faut absolument raconter. Si ça fait 10, 20, 30, 50 ans que vous existez, évidemment, c'est que ça va rajouter une couche dans cette partie de confiance. Forcément, on aura plus confiance qu'une entreprise qui existe depuis 3 mois et qui, pour le coup, peut cramer du cash à gogo et peut-être disparaître dans 6. Et le dernier élément qui est extrêmement important dans votre branding, c'est l'exposition, la notoriété de votre marque. Une marque qui n'a aucune notoriété, elle aura beau avoir un super branding, si vous n'avez aucune exposition auprès de votre cible, dans ces cas-là, ça sert vraiment à rien. D'être présent sur les réseaux sociaux, d'être présent en publicité sur Facebook, sur Google, sur différentes plateformes selon votre type de business, la notoriété, c'est quelque chose qui est super important parce que la répétitivité de cette exposition auprès des gens va faire qu'ils vont commencer à reconnaître votre marque et peut-être s'y intéresser. À force d'être exposé, peut-être qu'ils auront la curiosité d'aller voir ce que vous faites. Surtout si votre ton il est bon, surtout si votre accroche est bonne, ça veut dire que si vous parlez aux gens qui sont votre cible et que vous parlez la même langue, bah forcément les gens vont être intrigués et forcément les gens vont vouloir en savoir plus. Et c'est comme ça que votre notoriété va être créée. Et c'est comme ça que vous allez créer votre image de marque auprès d'eux, une fois qu'ils auront acheté votre produit ou une fois qu'ils auront loué vos services. Donc, stratégie de branding aujourd'hui, plus que jamais, c'est extrêmement important que vous en ayez une très forte. Une stratégie de branding qui fait vraiment, vraiment la différence auprès de vos clients et de votre audience. Parce que si vous voulez sortir du lot, il n'y a pas d'autre façon que d'avoir une bonne stratégie de branding. Et bah évidemment, une fois que, quelquefois, ces stratégies de branding, ça fait longtemps qu'elles ont été usées, ça fait longtemps qu'elles sont sur le marché et que vous utilisez les mêmes stratégies depuis des années et des années et des années, forcément, un jour ou l'autre, il faut penser à une stratégie de rebranding. Et ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Qu'est-ce que le rebranding et à quoi ça sert ? Mais en attendant, moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre pour plus de vidéos sur le marketing. Et puis moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.